Un sosie presque parfait. Un sosie presque parfait. Et en début d'émission, nous parlions des capacités que Julien avait dans les années 80 à animer des soirées, animation sur des radios locales, ou alors des balles avec de la musique des années 80. D'accord ? Eh bien, ça tombe bien. J'aimerais que dans un premier temps, et Nelson, vous êtes aussi concerné, vous regardiez ces images. Cette fille que ça a rencontrée, c'est maman que je reconnais. C'est toi qui l'as peut-être tenté. Voilà déjà tant d'années. Tu avais à peine 16 ans dans la cave. Il s'appelait Billy, exactement, gros carton dans les années 80. 1983, Olympia, 26 semaines au hit parade, plusieurs disques d'or, une méga star dans les années 80. Et là, on voit l'image, il avait une douzaine d'années, nous sommes aujourd'hui en 2012, il a donc forcément une quarantaine d'années. À quoi ressemble le chanteur Billy aujourd'hui? Eh bien, sachez que nous avons Billy sur ce plateau, mais Nelson, mais Julien, il va falloir le retrouver parmi les quatre personnes qui sont sur le plateau ce soir. Donc, je crois qu'il chantait aussi Bye il Bye. Il ou toi? Bye Bye Bye. Quand tu me dis ces mots-là, ça me fait boum boum dans la tête, mon cœur me fait la fête. Oh, 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 nous avons la réponse. Mais attendez, il y a le sosie numéro 4 aussi. Nous avons la réponse. Chanter avec Nelson. Bah, nous avons la réponse. Alors, juste erreur de production, pardonne-moi, je te le dis, mais en fait, c'est les premières. Hein. Le 4, c'est le sosie de François Valéry. François Valéry, avec la batte de baseball. Ah ouais. Petite question pour le 4. En fait, c'est juste qu'il y a Bonnie Tyler qui vient d'appeler, elle voudrait récupérer tout son look, là. Julien ? C'était quelle émission de télé, ça ? Tu dois t'en souvenir ? Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ah. Ouais, c'est Champs-Élysées. Champs-Élysées, et j'ai retrouvé Michel Drucker en 83 sur le podium européen, sur la tournée d'été. Ouh, c'est très précis, tout ça. Hey. Et quel est le vrai prénom de Billy ? Laurent. Et son nom de famille ? Libon. Et qu'est-ce que tu fous avec une batte ? Tu fais flipper tout le monde, mec. C'est le nouveau sextile. C'est rock. Est-ce que vous avez une question à lui poser, l'équipe de Nelson, ou pas? Nelson, il sait depuis tout à l'heure. Nelson, alors Billy, d'après combien d'albums est-ce que tu as sorti? À l'époque, on parlait d'albums, naturellement. Trois. Combien? Trois albums. Aujourd'hui, toujours. Le dernier n'a pas marché. Trois albums. Trois albums, et le dernier n'a pas marché, et c'est pour ça que j'ai dû faire un autre travail à côté. Quel a été ton principal succès, ton hit? Bye Bye Bye, bien sûr. Et après ça? C'était le meilleur, on a fait à peu près 800 000 exemplaires. Qu'est-ce qui l'a écrit? Jean Lassalle, qui a été mon producteur. Ouh là 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 là. C'est très précis ou trop précis? Soit il a potassé, soit c'est un... Bon, nous hésitons entre deux. Alors, maintenant, il faut une réponse. C'est Nelson qui va trancher. Concertez-vous. Nelson. Votre premier. Nelson, il me faut une réponse, rapidement. Bon alors, à la majorité, nous optons pour la réponse 3. Le 3 pour Nelson. Julien ? Le 2, il veut tuer Batman. Le 3, c'est rapproché du 4 pour chanter Bye Bye. Et ça, ça n'est qu'une personne, hein, c'était pas des sorciers, moi. Non, mais moi, je peux pas me concentrer, il me dit le 2, c'est le joke. Je peux pas, moi. Mais moi, je suis sûr qu'il y a un énorme piège. Moi, bizarrement, j'irai vers le 1 ou le 2, mais bon, je vous laisse. Mais non, il y a l'accent de Marseille. Il me faut une réponse, il me faut une réponse. Alors, qu'est-ce que tu dis, allez ? 4 ! 4 ! Julien, il me faut une réponse. Vous dites le 4 ? Je vais dire le 4, alors. Le 4. Le 4, est-ce que vous êtes le vrai Billy ? Eh ben non ! Mais ouais, c'est le 1, je vous dis. C'est le 1. Le 3, est-ce que vous êtes le vrai Billy ? Eh oui ! Mais ouais ! Aujourd'hui, Billy, attendez, excusez-moi. Billy, vous continuez à chanter un peu ou pas? Oui, je prépare un album. Et il prépare un album. Applaudissements pour Billy.
Lequel? Et le sosie, vous pouvez des questions de Julien Courbet. Posez des questions si vous voulez. Il y a un problème? Applaudissements pour Billy. Merci beaucoup, mille merci, applaudissements également pour ceux qui l'accompagnaient. Jean-Philippe Michel, Marco Panzani, qui est auteur du One Man Show, cherchez pas le titre, c'est marqué dessus. Et Christian Legal au théâtre de l'Archipel à Paris.